Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. À peu près, là, je dis déjà parce que ça fait longtemps qu'on est réveillé. On essaye de ramasser la maison, comme je disais hier, c'est comme notre but de la journée. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, m'écraser à ça puis nous dire genre que je suis satisfaite. Ça a cogné, bon. Fait qu'il y a probablement une chaîne de café, la télé de poule, ça chante, on a un concert puis on a la sécheuse qui marche. En matin, je vous dirais que j'ai réussi à plier pas mal tout. La brasserie, il reste une coupe d'affaires à mettre ses supports. Puis il resterait comme une brassée à partir, je vais la partir tout de suite. Fait qu'il resterait deux brassées à plier. Fait que si tout va bien, je vais peut-être pouvoir plier ça pendant un film de Noël pendant la sieste. Mais là, je m'attaque à la salle de bain. Première chose, ben première chose, c'est pas vrai. J'ai ramassé ma chambre, j'ai ramassé la chambre aux filles. Il va vraiment juste rester des petites affaires, mais je me dis, c'est sûr qu'ils vont retourner jouer, genre avant la sieste. Fait que j'ai comme ramassé le plus gros. Puis là, à chaque fois, j'ai check, puis je suis comme, vous allez pas dans votre chambre. Vous allez chercher un jouet dans votre chambre, vous l'amenez sur la table. Parce que là, pour vrai, on est tannés. On est vraiment tannés de passer tout en arrière. La chambre à Axel, je l'ai refaite, il l'a redéfaite. Je suis comme, à quoi ça sert, genre, quand tes parents font le ménage? Mais là, c'est ça. On s'attaque à la salle de bain. Donc, moi, première étape, j'ai poussé tout avec ça. Dans le fond, c'est les Swiffer réutilisables de l'Écolo Accro. C'est toujours ça que j'ai utilisé. Puis je trouve que c'est fou comment que. J'en achetais puis j'en jetais avant, là, c'est autant écolo que économe. Puis là, là, faut vraiment, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Parce que je trouve en ce moment, là, ce qui décrasse le plus, là, c'est un vaporisateur pour la vaisselle, ok? Le down comme ça, on push, il mousse genre, puis il décrasse. C'est vraiment genre un décrassant. Attends. C'est genre un dégraisseur, fait que je trouve que ça lave full bien. Plus que genre tous mes produits écolo que j'ai pris. Mais si vous en avez un comme moi là, j'ai besoin que ça sente hyper le propre, donnez-moi vos conseils, ok? Fait que vous me donnerez ça. Sinon, je vais laver mon plancher avec le céramiqueur et une brosse à dents. Dans le fond, là, moi, je pars comme du coin, puis je prends ma brosse à dents, je mets ça là-dedans, puis là, genre, je passe, genre, je rince ça, c'est de l'eau chaude qui va aller là-dedans. Et je m'amène toujours 2-3 et surtout, ben c'est des essuie-tout réutilisables encore là de l'Écolo Accro, des guenilles. Parce que moi, j'utilise pas des essuie-tout comme je vous avais déjà dit aussi. Puis là, il faut que. Hey, j'ai vraiment honte de vous montrer ça pour vrai là. Mais tu sais, pour le bien de la cause, je vais vous le montrer. Gardez ça. C'est vraiment dégueulasse. Genre, il y a de la pâte à dents partout. Puis d'habitude, c'est genre mon tiroir. Comme je vous dis, la dernière fois, je l'ai fait avec vous, c'est au début de la pandémie. Ça, capotez pas là, c'est des vieilles lunettes. Sont plus bonnes. Je les avais commandées en ligne, puis ils se sont trompés dans la prescription. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fasse avec ça? C'est pas quelque chose que je peux donner. Mais, tu sais, comme je vous disais, c'est genre le tiroir qui reste le plus propre parce que c'est tellement facile. Tout a sa place, moi. Plus tout a sa place en organisation, plus c'est propre. En bas, depuis qu'on a la PAX, là, c'est fou comment l'entrée, genre, il n'y a plus rien qui traîne. C'était la même chose pour ici, mais là, tu sais, à la longue, on s'entend, là, au mois de mars. Ça fait quasiment un an que je ne l'ai pas fait. Fait que je trouve que c'est pas si pire. Et, oh, vous voyez, ça ne ferme même plus. Ça, ben là, c'est pas sale, j'ai rien à laver, c'est juste à reclasser, là. Fait que même toutes mes affaires, de même, j'ai un tiroir en haut. Fait que je vais tout reclasser ça. Pour commencer, je vais faire ça, parce que comme ça, s'il faut que je lave, là, ça va éclabousser partout. Après ça, je vais laver mon bain.
mon plancher, ça, la toilette. Puis je vais finir par la douche parce que je vais aller dans la douche. Fait que c'est ça. Je vais. Oh, ça va que je sais pas. Tu sais, genre, je l'ai faite la semaine passée à brosse à dents. Puis je trouve tellement que. Checkez ça. On dirait que j'ai jamais lavé, genre. C'est parce que le silicone, il est vraiment mal mis, là. Tu sais, pas. Je veux dire, quand on a déménagé, c'est nous qui l'a fait la douche, là. Fait qu'elle est neuve, là. Fait que je vais avoir la douche, mais tu sais, les portes sont vraiment pas super, là. Comme je vous dis, je les avais frottées. Je les avais vraiment frottées la semaine passée, là. Mais moi, c'est ça. Moi, la salle de bain, hein. J'ai bien la misère que ce soit un peu sale. Fait que sur ça, hey, sérieux, mon café est tellement bon. Je sais pas si vous voyez, genre. En tout cas. Wow! Genre, je viens de faire un méga dégât. Aïe, aïe, check it. Ah, fait que je vais commencer par ça! Il fait chaud dans la salle de bain. Je sors de la douche. Il va rester seulement le bain. Je viens de jeter genre la saleté du plancher. J'ai fait la douche. Puis j'avais envie de vous montrer depuis quelques mois à quoi les enfants, qu'est-ce qu'ils utilisent pour aller dans le bain. Écoutez, vous allez voir ça par rapport là. Genre, leur jeu préféré, c'est de remplir mes anciens trucs de bain moussant. De les remplir. Puis les mettre genre là-dedans. Ça, ils jouent encore avec. C'est comme tous des morceaux. Genre, ils s'amusent avec ça. Ils font encore des châteaux avec ça. Ils se battent pour avoir des vraies cuillères. Des fois, tu sais, on fait tout le temps de rotation. Là. Des fois, je mets juste des animaux dans le bain. Ça prend pas, là. C'est justement une brosse à dents pour laver les trucs. Fait que ça ressemble à ça, je vous dirais. N'importe quoi, hein. Mais c'est temps, ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai pas fait de rotation avec ce bac-là. Les enfants, genre, ils passent des heures dans le bain à juste remplir. Genre, tu sais, je garde tous les vieux. Trucs comme ça, là. Puis il capote. Donc, c'est déjà l'heure du dîner. En plus, j'avais fou le goût de manger ça. J'ai-tu gardé le parmesan ou j'ai jeté? Ah oui, c'est vrai. Fait que Max a fait des. A fait cuire. Des tortellini sauce rosée. Puis on va mettre un peu de parmesan. Puis on va dîner. Donc, avant le dodo, je m'attaque à la chambre à Axel. Ça sera pas bien, bien long, là, je vous dirais. Là, c'est une coupe d'affaires à ramasser, là. Fait que je fais ça avant le dodo.
won't stop believing till I see myself where I need to be. This voice inside is my only guide. Gonna make sure I'm heard. Passé, là, il est comme 2h40. Les enfants devraient-ils boire de se lever? C'était, encore une fois, on dirait qu'ils sont comme dans un... Oh mon Dieu, un verre de lait sale. Ils sont comme dans un... Une mauvaise... Une mauvaise passe, mais aujourd'hui, c'était vraiment pas une belle journée. On essayait de faire justement un gros ménage. Puis, ils coopéraient pas du tout. Fait que, pour vrai, c'est la première fois du mois. Mais il mérite pas de boîte magique là. T'sais, depuis le début du mois de décembre, on leur dit que n'attaque pas là. Depuis le début du mois de décembre, on leur répète que si s'ils sont pas gentils, le Père Noël va... Parce que t'sais, nous, je vous rappelle, là, c'est le Père Noël qui remplit la boîte magique à tous les jours. Il passera pas. Puis s'il y a pas des belles journées, puis à date, c'était comme, t'sais, ça reste des enfants. Mais là, aujourd'hui, sincèrement. Il faut qu'ils apprennent, là. On dit quelque chose, faut le respecter. Fait que, c'est ça, comme vous avez pu deviner, on mange la fondue. On mange toujours la fondue, au moins une fois dans la semaine, puis une fois dans la fin de semaine. Fait que, tu sais, il est déjà presque 3h. Ça a été vraiment long avant qu'il s'endorme, comme je disais. Fait que, moi, je vais continuer. Pour vrai, c'est quand même assez propre, là. On a été super, super efficace. Presque toutes les pièces sont propres. Là, c'est sûr que les enfants, ils dorment dans leur chambre. Là, fait que après ça, je vais passer un petit coup. Puis je vais essayer de les empêcher d'aller jouer dans leur chambre. Juste pour dire qu'à soir, tout est propre. Puis ça ressemble à ça. On va manger la fondue bien, bien, bien relax en famille. Bon, il est rendu 8h30. On est tout en... on est en mode... Les enfants sont en train de s'endormir. On est en mode endormissant. C'était vraiment le fun, pour vrai, comme d'habitude, là, un petit souper fondu, film. À chaque soir, on se dit, OK, à soir, on n'ouvre pas la télé, on fait juste des jeux de société, puis tout. Mais on aime tellement ça, toute la famille, que tu sais, je me dis, pourquoi? Tu sais, toute la journée, je veux dire, on a joué à des jeux un matin, ils nous ont aidés un peu à faire le ménage, mais ils ont tellement été haïssables, puis devant un film, ils sont tellement calmes, ils sont toujours super contents, ils deviennent de plus en plus habiles avec la fondue, comme on vous... Ben, pas habiles, parce que c'est nous qui piquent les affaires, là, mais comme patients. Puis là, vu que j'ai pas fait de boîte magique aujourd'hui avec vous, je me suis dit que je préparais celle de demain. Comme ça, quand ils vont se lever, ils vont pouvoir avoir la boîte magique. Elle va déjà être prête. Demain, on va faire des biscuits de Noël. Donc, j'ai pris les emporte-pièces au Dollarama. J'ai pris les deux kits qu'il y avait. Comme ça, pas de chicane. Fait que je vais mettre ça. Puis là, je suis en train d'écrire le mot que je mets toujours dans la boîte magique, comme vous savez. Fait que je vais essayer de me trouver une petite recette facile de biscuits qu'on a toutes à la maison, qu'on n'aura pas besoin de sortir. Puis je vais mettre la lettre avec les emporte-pièces dans la boîte magique. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Nous, ça a été plate pour vous parce que c'était vraiment du cleanage toute la journée. Mais écoutez, hein, il faut, dans le mois de décembre, si j'avais pas fait de ménage du mois de décembre, ça a été dégueulasse. Juste des activités. Ramasse jamais le plancher. Fait que sur ça, je vous dis un gros merci, puis nous, on se voit, demain!